C'est un déplacement incroyable. Salut à tous, chers amis, c'est Taïch avec vous. Le monde n'a jamais vu un tel contenu, un tel charisme. Et ici avec moi. Ça fait qu'un 2, 3, 4 et c'est le pire atterrissage à Nevermore que j'ai vu, franchement, ouais. Allez, calme-toi, Savik, pourquoi t'es si contrarié? Nous sommes à Nevermore! Pour l'instant, ça ressemble à un couloir ordinaire, mec, hein! Ouais, c'est comme dans l'autre côté du miroir. Allons-y, il doit sûrement y avoir beaucoup de choses intéressantes, là! Waouh! Regarde, Savik, là! Wednesday et Pugsley! Incroyable, Wednesday Adam! Et le torture! Mais regarde, elle va le chatouiller à la mort! C'est possible que ce soit une histoire de famille, mec! Merde, c'est fou, regarde! Tout est plein de toiles d'araignées et d'araignées ici! Je suis choqué! Bonjour! Enchanté de vous rencontrer! Aujourd'hui, nous serons avec vous pendant 24 heures, quoi! Hé, oh! Et pourquoi vous me regardez comme ça? Je vous ai dit bonjour! Peut-être que c'est normal, hein, pour eux. Et ils ne nous prêtent aucune attention, oh! Je vais te torturer pour toujours. Et je suis sûr que nous pouvons nous entendre, quoi. Allons plutôt visiter la classe. Et tous les bureaux sont des toiles d'araignées. Et il y a des bougies. Et tu penses qu'ils n'ont pas d'électricité? Eh bien, il se peut que ça soit juste leur style, comme pour Halloween, quoi. C'est bien qu'ils ont un style, mais il faut quand même faire le ménage, je pense. Ah, il m'a mordu. Il y a un dard ici. Quel salaud. Le son d'aujourd'hui. Il va sûrement y avoir un cours intéressant maintenant. J'ai si hâte, moi! Ok, Hard Artyom, ces bougies sont chelous! Mais tu arriveras pas! Bouti, probablement seulement un vent spécial peut éteindre cette bougie, quoi! Elles sont magiques! Peut-être qu'on devrait aller faire connaissance! Ouais. Et le torture! Et les gars, après tout, je voulais dire! Et salut! Et nous voulions seulement vous souhaiter une bonne journée d'école, quoi, ouais. C'est le pire souhait qu'on puisse imaginer. Alors je vous souhaite une journée horrible. Pourquoi? On voulait juste être poli. Bon, Pugsley, retourne à ta place. Hop. Il faut l'intéresser par quelque chose. On pourrait peut-être parler de nous. D'accord. Tu sais, on a failli avoir un accident en venant ici. T'imagines? C'était si dangereux. Ouh. Alors je suis désolée que vous soyez indemne. Pourquoi elle est si méchante, hein? Je sais pas. Quoi qu'on dise, ça ne lui plaît pas du tout. Et comment est-ce qu'on pourrait l'intéresser autrement? Eh bien, je sais. Alors, essayons quelque chose. Wednesday, là-bas, il y a le portrait de l'enseignante accroché. Amusons-nous un peu avec, non? S'amuser? Donc, nous allons l'abuser? C'est une expression. Ça veut dire nous allons plaisanter à son sujet. Et on va se marrer. Je ne vous aime pas. Je pense qu'il vaut mieux pour nous de ne pas communiquer. Ou alors nous résoudrons ça comme des gens civilisés, par la cruauté et la violence insensée. Mais qu'est-ce qui va pas? C'est... un étudiant de deuxième année? Ou quoi? Moi je pense qu'il a redoublé au moins 10 fois, mec. Et qu'est-ce que cette squelette fait ici? Je crois que vous ne m'avez pas compris. Allez, Artyom, nous allons s'asseoir là. Allons-y. Tant pis alors. Il doit sûrement y avoir d'autres gars dans cette école avec qui on pourrait être amis. On va devenir cool avec elle. Il suffit juste d'attendre un peu, quoi. Alors, le cours va bientôt commencer. Restez tranquille. Ouais, ça serait difficile de devenir ami avec lui. On n'a vraiment pas de chance avec cette école. Écoute, celui-là, il exagère un petit peu, quoi. Ouais, j'ai une technique, regarde, pour les gosses complètement barjots. Je te jure, mec, tu vas voir. Oh. Bon, vas-y, mets ça dans son dos, là. S'ils ne veulent pas se moquer de l'enseignante, alors nous allons nous moquer d'eux, quoi. Vas-y. Voilà, c'est prêt. Arrêtez cette gaminerie. Seul moi, j'ai le droit de me moquer de mon frère. Hé, qu'est-ce que tu fais? Mais ça fait mal, toi. Oh, Tiom, toi aussi t'en as.
Mais quand est-ce que vous avez eu le temps de nous attacher ça? Mais qu'est-ce qui se passe ici? Vous êtes idiot. À cause de ça, personne ne va s'abonner à votre chaîne. Mais comment vous le savez à propos de notre chaîne? Eh bien, tout le monde est abonné à votre chaîne, sauf Wednesday. Je suis d'ailleurs votre plus grand fan. Et comment ça, elle n'est pas abonnée? Tu as essayé de la convaincre? Oui, j'ai essayé. Elle m'a jeté dans l'océan aux requins. Tu vois, c'était marrant. Écoute, Wednesday, tu pourrais au moins essayer de t'abonner peut-être. Et c'est pas difficile. Il suffit juste d'appuyer sur un seul bouton. Je ne vais même pas essayer. Votre chaîne est nulle, et vous aussi. Et toutes vos vidéos sont insignifiantes, sauf une, celle où je suis filmée. Et c'est faux! Nos vidéos ne sont pas insignifiantes. Elles sont géniales! Elles sont tout simplement magnifiques! C'est l'œuvre d'art de tous les temps, quoi, je t'assure! On met toujours tout notre cœur dans ce qu'on fait! Et les gars, abonnez-vous maintenant à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait, pour prouver à Wednesday qu'elle a tort! D'accord, Paxley? Ouais. Les gars, scroll et maintenant appuyez sur le bouton s'abonner, vraiment, et abonnez-vous à notre chaîne, ça sera vraiment bien pour nous, quoi, allez. Vos abonnés ne prouveront rien. Ah, c'est ça, t'as vu comment on l'a surpassé? Et les chaos. Ah, oh, c'était cool, ça. Étudier les plantes toxiques, c'est tellement intéressant. Ouais, beaucoup plus intéressant que les maths. Ouais, et surtout dans une école ordinaire. Mais c'est quoi, ça? Maman dit que je suis pas gosse. Wednesday, je vois rien. Patience. Et je crois que ça va trop loin. Leurs relations sont bizarres. C'est vrai, ouais. Mais comment on va pouvoir être amis avec eux? Wednesday ne nous aime pas du tout et Paxley est trop bizarre. Debout, Paxley. J'arrive pas. Nevermore, attention. Directrice Wims à l'appareil. Je suis obligée de prévenir tous les élèves. Un monstre a été repéré dans l'école. Aucun livre de notre bibliothèque n'en parle pas. Je vous demande instamment de signaler toute chose étrange à moi ou aux autres membres du personnel de l'école. Et ne vous éloignez pas de l'école. Et c'est notre premier jour dans cette école, des monstres encore! Et c'est fatigant! C'est votre chance de vous montrer. Vous pourriez me servir, car je compte bien trouver ce monstre. Donc elle nous appelle avec elle maintenant, c'est ça, quoi? C'est sûrement une invitation pour nous inviter. Allons-y. C'est ici qu'on a vu le monstre pour la dernière fois. Et c'est le lieu du crime! Et le voilà! Ah, les traces! Et écoute, tu es nouveau ici, t'es un novice. Safik et moi, nous y connaissons mieux. Alors, explorons tout ici. Ça ressemble un peu à notre entrepôt, quoi. Juste, il n'y a pas eu de ménage pendant 100 ans. Et du ruban de police. Tu as bien remarqué les traces, quand même. Il faut les suivre. Et alors, nous allons trouver la réponse. C'est évident. Ici, la piste s'arrête. Et comment allons-nous trouver le monstre maintenant? Tiens, regardez, il semble être monté là-bas. Bien joué, Pugsley. Et il faut juste qu'on saute. Attention, c'est quoi là? C'est quoi ce truc là? C'est une dent? Et il y a quelque chose de rouge dessus. Peut-être que c'est du sang? Ça peut pas être du sang, quoi. C'est de la confiture, quoi. Ça ne ressemble même pas du tout à du sang. Pugsley nous aidera. Goûte. J'ai compris ce que c'est, mais je dirais ce que c'est seulement pour des likes. Quel like? La situation est urgente! Sinon, je ne parlerai pas sans les likes, c'est silence! Les gars, mettez un like sur cette vidéo immédiatement, là! Ouais, nous faisons une vidéo sur Wednesday! Je sens qu'ils en mettent. Je sens des likes. Beaucoup, beaucoup de likes.
Ah, voilà. Maintenant, je vais vous dire. Alors, c'est du sang. C'est du sang. Du sang. Du sang. Il est bizarre, ce mec, quand même. Eh bien, nous avons appris tout ce qu'il fallait. Alors, partons d'ici. Non, il faut tout examiner attentivement. Mais nous avons déjà tout examiné attentivement. Nous avons trouvé des traces, cette dent, un trou dans le plafond. Il est sûrement passé à un autre étage. Allons-y, allez. Nous n'irons nulle part tant que tout ne sera pas examiné en détail. Et poursuivons l'inspection. Peut-être qu'il y a quelque chose ici, non? Regardez, regardez, regardez. Cherche mieux, Pugsley. Et pourquoi tout le monde l'écoute? Et j'ai attrapé tant de monstres. Et si je dis qu'il n'y a rien ici, alors il n'y a rien ici, voilà. Puisque je le dis, et c'est du temps perdu pour rien. Et je vais attraper ce monstre moi-même et avoir toute la... J'ai trouvé. Ça sent comme le sang sur la dent. Peut-être que vous n'êtes pas si incompétent. Alors, t'as vu? Ouais. Et qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Un ensemble de choses, et ça devrait nous aider. Sors-le, montre, fais c'est voir. Allez. Une boule de bain rose. Putain. Qu'est-ce qu'il y a d'autre, là, hein? Ça sent. Une brosse rose. Un cure-dent. Alors, un élastique et un bijou avec. Oh là là. Et ça, c'est des pétards? C'est quoi cet ensemble étrange? Qu'est-ce qu'ont toutes ces choses en commun? Ce sont les trucs pour filles. Et le sang, c'était aussi féminin. Je le sens, c'est sûr. Et tu veux dire que c'est les affaires de la victime? Nous pourrions faire une sorte d'expertise ou quelque chose comme ça? Ça peut pas être vrai! Avec les technologies actuelles, on peut rapidement déterminer quel genre de monstre c'est! Fuyons! Fuyons! Pourquoi diable? Allez! Allez! Allez vite! C'était quoi tout ça là? Ouais, et pourquoi, quand le monstre est apparu, vous n'avez pas couru avec nous? Edgar Allan Poe a dit, ne crois pas, ce que tu entends est seulement la moitié de ce que tu vois. Qui est Poe? Et je vous demande pourquoi vous n'avez pas couru. Qui est ce Logan Poe? C'est un écrivain. Et des écrivains? Et j'ai toujours su que les livres ne faisaient qu'embrouiller l'esprit, quoi. Eh bien, écoute, il a probablement pas ouvert un seul livre, le mec, regarde. Qu'est-ce que ces puces m'agacent? Et savez-vous que nous avons bientôt un bal? Et quel bal? On n'en sait rien, nous. Raconte! Et je pensais qu'on avait juste 3 cours aujourd'hui. À Koenig, nous en avons 1 chaque année. C'est une tradition, un bal. Il faut danser, boire du punch et s'amuser. Et il faut absolument inviter une fille à danser. Alors, avec qui tu vas aller, Pugsley, hein? Ah, la voici, ma beauté. Ma femme, Laurence. Nous nous connaissons depuis longtemps. Vous voulez que je vous raconte toute l'histoire de notre rencontre? Bon, je crois qu'on t'a compris, là. Bah, attends. Admettons que tu y ailles au bal avec elle et raconte-nous, alors, puisque tu proposes, comment vous êtes rencontrés? J'allais me faire soigner avec des sangsues qui te pompent, tu sais. Et je l'ai rencontrée. Elle travaillait là-bas. Elle travaillait. Elle attirait les gens de la rue. Je me suis dit, c'est mon destin. Merci d'avoir partagé cette histoire intéressante. Écoute, je vais te dire un secret. Je veux inviter Wednesday au bal, quoi. Et pourquoi c'est toi qui veux l'inviter? Peut-être que c'est moi qui veux l'inviter. J'ai été le premier à le dire, quoi. Et alors? Premier arrivé, premier servi, mec. Et on n'est pas dans une cour de récré pour jouer selon ses règles. T'as compris? C'est injuste, Arthur, mais j'ai été le premier à le dire, donc j'irai au bal avec Wednesday. Eh bien, invitons-la tous les deux en même temps et elle pourra décider avec qui elle va aller au bal. Je l'inviterai d'une telle manière qu'elle va même pas te parler, je te jure. Et moi, je vais organiser une surprise tellement grande que tu seras choqué toi aussi. Tu as inventé cela parce que tu étais le deuxième, quoi. Si t'aurais été plus intelligent, t'aurais été le premier. Et pendant que tu passes le temps à bavarder, je vais préparer un plan. Ah, ouf. Un peu stressant, quoi. Mais Wednesday, c'est pour toi. Défaut. Ouais. J'espère que c'est du cimetière. Non, pas du tout.
Salut, tu veux des fleurs? C'est pour toi, j'en ai cueilli dans le jardin. Les plus fraîches, celles que tu aimes. Pourquoi elle les a jetées, les gars? Quoi d'autre? Ouais, bon, c'est pour toi, des bonbons. Je déteste le chocolat. D'accord, j'ai encore une lettre. Voilà, une invitation au bal dans tes rêves depuis tant d'années. Des robes belles, des fêtes animées. Dans le sommeil, le bal était présenté. Dégage. Compris. Apparemment, les gars, la drague n'a pas marché. Ne soyons pas tristes, on trouvera autre chose, ouais. Elle a tout de suite refusé sa fille. Mais moi, les gars, j'ai fait des recherches. C'était stupide d'acheter des bonbons ordinaires et des fleurs ordinaires. Et voilà, ça, c'est ce qui plaira 100% à Wednesday. Wednesday, j'ai ramassé des fleurs pour toi, et directement du cimetière. Et bon, j'ai menti, et un peu quand même, je les ai achetées chez un marchand, mais près du cimetière. Merci. Et j'ai aussi cette pomme noire pour toi. Elle est aussi noire que ton âme. Alors, j'ai décidé de l'acheter pour toi. T'essayes de m'inviter au bal? Pourquoi? J'essaie de t'inviter au bal. Tu viens? Je suis d'accord, mais à titre exceptionnel. Yes! D'accord. Je viendrai te chercher. J'y serai. Merde, c'est tellement simple! Il suffit d'acheter une pomme noire, des fleurs noires, quoi! Ou n'importe quel objet noir associé à Wednesday, quoi! Arctio, manga particulier, franchement, vraiment, ces idées sont géniales, je n'y avais jamais pensé, quoi. Mais elle est où, merde? Et tant de temps est passé, là. Pourquoi t'as mis autant de temps? Tu sais combien de temps je t'attends? Tu veux qu'on danse? D'accord. Mais je pensais qu'on va danser ensemble. Cool. Et je te rejoins. Dis, Pugsley, elle est où ta femme, hein? Wednesday l'a achetée pour que je ne me ridiculise pas. Maintenant, je suis triste. Et merde, eh bien, mes condoléances, quoi. Merci. Bon, tu veux... Je sais pas, du pont? Eh ben... Les gars, qu'est-ce que vous faites? Venez danser avec nous. On arrive. Arrive. Super soirée! Putain, on a trop bien dansé! On a bu du punch! Les gars? Les petits gars? Oh putain! Putain de merde! Ils sont où, les gars? Où est-ce qu'ils sont passés? Je me suis cogné là-bas, j'ai la porte ouverte. Ouais, qu'est-ce que c'est que ça, là? Attends! C'est un... Fais gaffe! De la matière noire! Peut-être qu'ils se sont cachés ici, hein! Il y a un peu de magie dans cette école quand même, donc probablement, oui, je pense. Mais... Et comment on y va? Il y a un champ de protection là-bas! Au moins un petit indice! Waouh, c'est pas vrai! Qu'est-ce qu'il y a? Passe-moi ça! Tendu sur l'eau rougeoyante, rendue sombre sous la lueur, ombre dense au reflet, inonde l'horizon d'un voile charmant, sous la pluie, ton chagrin reste seul. Ainsi fut jusqu'à l'arrivée du sauveur, protégé des âmes, enfin libère de l'ultime. Et qu'est-ce que ça veut dire? Comment on est censé déchiffrer ça, là? C'est quoi? C'est un genre de texte. Premièrement, il y a une erreur à la fin, quoi, c'est... Mais on devrait écrire c'est, quoi. Il y a même pas de rime ici, putain, ce n'est même pas de la poésie, franchement, c'est n'importe quoi. C'est une sorte de foutaise. Quoi? Attends, j'ai étudié des rébus, quoi. Et peut-être qu'un des rébus est caché dans ce message, quoi. Oui, et il y a des lettres majuscules T-R-O-I-S T-3-P
tape. 3, tape. Les gars, les premières lettres des verbes. Oh! Un portail s'est ouvert. Allez, viens après moi. Allez, saute. Oh, wow. C'est dingue. Et j'ai vraiment senti le déplacement de chaque partie de mon corps. T'étais compressé, hein, ouais. Ouais. Merde, c'était intense. Et une sensation incroyable. Et où sommes-nous? On dirait qu'on est retourné au studio, non? Ça m'étonnerait. Y'a quelqu'un ici? William Bruno. Et vous êtes qui? Quoi? Quoi? Wednesday? Paxley? Et pourquoi vous portez ces manteaux? Et où sommes-nous alors, hein? Si vous avez résolu l'énigme des trois tapes, alors vous êtes vraiment intelligent. C'est la seule façon de venir ici. Et on porte ces manteaux parce que nous sommes dans la société secrète de la Belladone. Eh bien, premièrement, nous n'avons jamais remis en question notre intelligence. Et deuxièmement, c'est quoi cette société? Pourquoi sommes-nous ici? C'est seulement ici que nous pouvons trouver une arme contre le monstre. Alors, nous avons tout ce qu'il nous faut. Commençons les recherches ensemble. Nous avons déjà tout trouvé. Wow, merci beaucoup. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça? Tiens, Wednesday, mais qu'est-ce qu'on va faire? On va se battre avec eux? Oui, nous allons nous battre avec lui. Et la diplomatie ne nous aidera pas ici. Et nous allons nous en sortir. Après tout, nous sommes quatre. Et lui, il est tout seul. Il n'a aucune chance. Défendez-vous. Attendez, mais pourquoi est-ce qu'on voit seulement son ombre à chaque fois, mais pas le monstre lui-même? Vous ne trouvez pas ça étrange? Arrête! C'est un monstre! Hé les gars, le monstre va la bouffer, ouais! On l'attaque! Attendez, ce n'est pas un monstre! Salut. Permettez-moi de vous présenter mon oncle Fest. Salut ma puce. Salut les gars. Enchanté, oncle Fest. Mais où est passée l'ombre? Il n'y a pas de monstre. Ce sont juste mes blagues sur les élèves. Et je me cache de la police ici, quoi, voilà. Et l'ombre, ce sont mes tours de magie. Et les objets que nous avons trouvés dans la boîte, alors? Puxley a dit que c'était des victimes? Mais je n'ai rien dit. Dans ce monde, il y a des personnes qui font confiance à mon neveu, hein? Bravo, Puxley. Et montrez-moi cette boîte que vous avez là pour voir, hein, Pas de problème, je l'ai avec moi, là. Et voilà, vous pouvez regarder. Oh, ce sont mes affaires, ça. Merci de les avoir trouvées. Bravo, c'est... Élastique, des cartes, et bien sûr, ma boule de bain, quoi. Une brosse? Un élastique? C'est logique qu'il y ait des pétards, mais le reste, pourquoi on en a besoin? Ça ne vous regarde pas, les gars. Oui, merde. Et il semble que la police soit venue vous chercher. Et c'est vite. Qu'est-ce qui se passe? Apparemment, il a lancé un fumigène. Mais où est ton oncle Wednesday? Je n'en ai aucune idée. Mais comment ça? Donc, en fin de compte, nous avons poursuivi un monstre qui n'existe pas pendant toute la journée. Eh bien, l'essentiel est que la vidéo soit sortie, les gars. J'espère que vous avez aimé cette super vidéo, mais... Nous vous proposons maintenant de cliquer, voilà, juste là, allez. Ouais, et celle-ci est aussi intéressante, les gars. Et si vous avez aimé les aventures d'aujourd'hui, alors celle-ci vous décevront certainement pas. Cliquez ici. Nous n'avons même pas attrapé le monstre, mais nous avons rencontré l'oncle Fest. Ouais, clique.